Salut les amis, ben voilà, nous on revient à notre spot préféré, là où on a fait des petites merdouilles l'autre jour. Alors on va continuer puisqu'il y en a, ça nous occupera pendant 1 heure. À bientôt! Hein? Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ça ressemble à une, je sais pas. Dis ce que t'as sorti tout à l'heure. Un trident avec un plomb. Et le poulpe. Oh putain, il a disparu. Voilà. Allez, deux fois. Bon, on verra ça une autre fois. On verra ça après. Ah, il est fou. C'est ça. Ça grimpe. Et moi, j'ai un tout, regarde. Un coup à l'envers. Ah oui. Je te filme un petit peu. Ouais. Allez. Je te filmerai un peu. Dans une racine. Voilà, coincé encore ou quoi? Ça tire. Il y a encore quelque chose, hein? Non. Une boîte de conserve, mais bien défaite. Oh là là là. Ah, une pointe, ben, ce qu'il en reste. Le reste, c'est des jarres de terre, je ne sais pas ce que c'est. C'est bien fourni, les mains. Oh là là. Ah, cette épaisseur, dis donc. De la terre, des jarres, des trucs qui aimantent, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une sacrée fissure. Ah, il est propre. Il n'est pas jeté par la tête. On se met propre. Par moment, ça tire. Ça arrive à lâcher. C'est embêtant, c'est rocher là. Ah, les petites barres de fer encore. Ça, il y en a, hein, des petites barres de fer. Eh bien, dessous, la poche se remplit très vite en remontant des petites bricoles. On va remettre un petit coup là. Chaque lancée, une petite merdouille, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que je voulais voir? Ah, ça a lâché.
encore des petits métaux. Je me perds le pantalon. Ah, cette fois, Lily. Mauvaise pioche. Là, là, il y a du morceau, là, les gars. Il y a de la barre de fer à rien faire dans l'eau. Et voilà, je ne sais pas ce que c'est tout ça. Hein. Bon. Bon, bref. Et que. Oh, oh. Il y a une canette. Une capsule. Et après, c'est de la merdouille. Qui n'a. Oh là là. J'ai jamais vu moi. C'est de la. C'est les cailloux, hein. Ce que c'est. Tu mets bien sur vidéo. Hein. Ça y est, ça a l'air d'être bon, je pense. Alors. Ouais, ça fonctionne. T'as rien eu? Oulou. Ah ben attention parce que j'ai nettoyé moi là dans ce secteur. Joli jeté. Alors, que nous sors-tu de beau? Rien du tout. Une petite... planque. Un beau jeté.
espérons que ça va être fructueux. Ouh là là, qu'est-ce que tu nous ramènes de beau? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Morceau de chiffon ou quoi? Tissu, qu'est-ce que c'est? Ouais, morceau de tissu. Qu'est-ce que c'est? C'est pas appétissant ce que tu nous ramènes. Des petits morceaux de plaques de fer et des petits... Des petites merdouilles, comme ouais. On dit. De la petite merdouille. Tant que je ne ressors pas un corps. Mort. Ben oui. Lol. Là, j'ai bien sorti un crâne de cheval, moi. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es tapé dedans? Ah. Je me suis déglingué la cheville. Avec quoi? J'avais les mains. Et bravo, il faut lancer. Et puis en plus, c'est la mauvaise cheville. Eh ben ouais, ça c'est toujours pareil. Faire attention, hein, les amandes ça peut faire mal aussi. Le grappin c'est dangereux, surtout ceux qui sont pointus. J'en ai fait l'expérience, je l'ai pris dans la cheville et dans le pouce, même le premier jour en le déballant. Donc je peux dire que c'est assez dangereux. Mais les aimants c'est pareil, on peut mauvais lancer, on peut se prendre dans les chevilles, ça doit pas faire du bien non plus. À faire attention, c'est-à-dire au jeter, éviter trop qu'il soit trop bas. Bon, le coin est propre, non? Ouais. À force. À part des pointes. Ah, des pointes, ben, c'est mieux que rien. Le... Tu peux couper si tu veux. Les trouvailles de l'après-midi. Attendez, ça c'est... Voilà. Bon, ben, les amis, je reviens vers vous. Hein. Ben, on arrête la pêche. Mais il nous arrive une petite catastrophe. Hein. Cathy a lancé au moment de changer du coin là pour la dernière fois le son 360 là, le petit là, les i, je crois que c'est ça. Et bien, apparemment bien, il s'est coincé sûrement dans des rochers. Et puis là, rien n'a y fait, qu'on tire à, de gauche à droite. En long, en large, rien à faire, donc on a été obligé de couper la corde là, parce que bon, à deux, c'est très difficile de pouvoir y tirer dessus, hein, à bout de bras là. Donc bon, mais à regret, on a coupé la corde et on est bon pour refaire un achat. C'était dommage parce qu'il était très bon ce petit 360. Bon, ben, on a fait une petite dépôt, mais on arrête là, puis en plus les moustiques arrivent. Et donc la pêche se termine comme ça. Allez les amis, pensez à liker, à regarder nos vidéos bien sûr. Abonnez-vous. Et merci à tous les abonnés. Bye bye.